Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tips, une nouvelle petite astuce sur la page Vince Movies, page pro. Donc je vais vous expliquer un petit peu juste le principe des pages, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi la différence entre Vince Movies, page perso et page pro, nanana. Donc Vince Movies, page perso sera réservé particulièrement pour les particuliers, les personnes qui voudraient des conseils, des petites astuces et tout ça, et en même temps tout ce qui va être mon côté un peu personnel, donc développement personnel, donc les vidéos que je fais à côté, et surtout voilà pour les particuliers. Et la page pro, donc qui s'appelle encore VM Prod, sera réservée aux professionnels, c'est-à-dire tout ce qui va être astuces, portfolio professionnel, donc pour montrer à mes clients toutes les réalisations que je fais, les photos pour les, voilà, de mes tournages, des choses comme ça. Donc tout ça, ça sera sur le pro. Donc deux pages qui sont vraiment distinctes, mais qui font partie d'une seule personne, Vince Movies. Donc voilà, donc ce tips va être sur la page pro pour permettre aux gens de voir un petit peu toutes les nouveautés, les petites astuces qui existent sur le marché. Et aujourd'hui, on va parler d'un PC que je suis en train d'utiliser. Pas tout de suite là parce qu'il a des quelques soucis, mais d'un PC que j'utilise qui n'est pas physique, donc qui n'est pas à côté de moi, qui n'est pas présent chez moi ou à mon bureau. On va parler donc du PC Shadow. C'est une nouveauté qui est récente, qui n'est pas si récente que ça puisqu'elle est arrivée en 2016 je crois, et donc ils ont relancé ça, ils ont continué à vendre leurs abonnements là tout récemment, il y a un peu plus d'un mois je crois, et donc j'ai utilisé cet abonnement. Je suis abonné donc du coup chez eux, et je vais vous montrer déjà la vidéo que eux ont faite pour vous présenter ce produit. Shadow, c'est quoi? C'est un petit boîtier sur lequel vous branchez votre souris et votre clavier et qui vous donne ainsi accès à un ordinateur surpuissant que vous n'avez jamais besoin de changer. Le secret de Shadow réside dans le cloud. Tous les composants de votre ordinateur sont situés dans nos data centers. Sécurisé et pratique, Shadow amène l'ordinateur dans une nouvelle ère. Une nouvelle génération de composants arrive sur le marché, nous les remplaçons sans surcoût pour l'utilisateur. Un des éléments tombe en panne, on le remplace à nos frais. Mais ce n'est pas le seul avantage de notre technologie, car Shadow permet aussi d'accéder à votre PC depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur classique. Ah, et une dernière chose, Shadow fonctionne en fibre, VDSL, ADSL, ADSL2, Wi-Fi et 4G à partir de 15 mégas par seconde descendant. Commandez Shadow dès maintenant sur shadow.tech. Donc voilà, en fait tout a été dit dans la vidéo, en fait Shadow c'est un PC qui est dans le cloud. Donc du coup, vous n'avez aucun composant chez vous et on a une équivalence d'un ordinateur à 1 600 €. C'est-à-dire que pour 30 € par mois, donc si vous prenez à l'abonnement annuel, ça vous fait 300 €, vous avez un ordinateur de malade. Cet ordinateur en fait n'est pas du tout situé ici, il est situé à Paris dans des data centers. Et en fait tous les composants sont mis à jour chaque année ou quand il y a des nouveaux composants qui arrivent sur le marché. Donc je trouve que c'est vraiment une technologie de dingue, je l'ai testé il y a un mois, je suis toujours abonné chez eux et je trouve ça extraordinaire. Que ce soit pour les gamers ou que ce soit pour les monteurs vidéo, les concepteurs 3D ou autre chose, ou même pour avoir un petit PC de bureau à 30 € par mois, je trouve ça extraordinaire et vraiment bien. Donc si on se connecte sur leur site internet, shadow.tech, voilà, vous avez le boîtier qui peut être donc loué ou acheté séparément. Ce boîtier en fait office d'ordi, donc vous avez des petites des endroits pour brancher un micro et un casque, vous avez des ports USB, vous êtes relié directement à la fibre, donc là avec le boîtier il vaut mieux se connecter automatiquement au réseau de son ordinateur, mais vous avez donc du coup un petit ordinateur, en fait c'est un boîtier vide, il n'y a rien dedans, c'est pas l'ordinateur, c'est juste qu'il va chercher des informations des data centers pour vous les remettre sur votre ordi. Donc la technologie elle a été dite dans la vidéo. Voilà, vous avez votre PC en data center et donc le Shadow en fait va retransmettre juste la vidéo à partir de ces data centers. Il y a un processeur Intel Xeon avec 8 cœurs dédiés, 8 threads comme on dit, 12 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, donc c'est un petit peu léger mais ça suffit largement pour faire tourner des jeux ou des choses comme ça. Et une carte graphique Nvidia dédiée, donc on est sur une 1080, donc les dernières en date. Et pour avoir vraiment testé, c'est vraiment quelque chose de ouf parce que j'ai pu faire tourner un jeu récemment en ultra HD, je peux faire des rendus à distance, ils ont une connexion qui est juste dingue pour faire voilà, du transfert de fichiers et c'est vraiment une révolution et c'est vraiment dingue. C'est ce que je voulais vous faire partager en vidéo. Donc vous pouvez commander le boîtier ou directement vous connecter avec l'application sur un ordi, sur une tablette, sur un smartphone ou autre chose. Donc après il n'y a qu'une chose à faire, donc soit vous pouvez tester
Ce shadow, alors je ne suis pas du tout payé par la marque, hein, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, je vous explique juste cette technique-là, ce concept qui existe. Vous pouvez louer votre shadow à 44,95€ par mois sans engagement, ou faire un engagement de 3 mois pour avoir moins cher, ou alors un engagement de 12 mois à 29,95€. Donc pour l'engagement de 12 mois, vous pouvez soit acheter le boîtier, ou pas l'acheter, ou le louer directement. Pour un engagement de 3 mois, vous pouvez soit l'acheter, soit pas l'avoir, ou pareil pour le 44,95€, juste un engagement en un mois. Vous avez donc, voilà, vous pouvez commander votre boîtier Shadow et votre abonnement. Et alors la petite nouveauté, c'est que là, je vous offre en fait un code promo, que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo, qui va vous permettre en fait de bénéficier de 10€ sur votre abonnement, soit par mois, enfin ce mois-ci. Ou alors, voilà, dès la première commande, en fait, vous avez 10€. Donc, au lieu de payer, par exemple, 44,95€, vous aurez 34,95€, ici 24,95€ ou ici 19,95€. Bon, ici qu'une seule fois, ici qu'une seule fois, ici qu'une seule fois. Donc, voilà, c'était vraiment la petite nouveauté que je voulais vous parler, la petite astuce que je voulais vous donner sur ce PC du futur qui est vraiment bien, je trouve. Moi, je sais que je vais faire tous mes rendus 3D dessus. J'ai installé ma suite Adobe, j'ai tout installé. Donc, c'est un Windows 10. Je sais que les composants vont être mis à jour et on a testé récemment avec des collègues le service client, voilà, parce qu'on a eu des soucis et ils sont vraiment très réactifs, ils répondent tout de suite. Ils ont assez d'humour et en plus c'est des Français, donc c'est vraiment pratique. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous n'avez pas trop compris le truc, que je vous refasse une vidéo prochainement. Le code promo est dans la description si vous voulez vous inscrire et acheter ce PC, donc je trouve que c'est super pratique et je me tâte même à revendre mon Mac Pro pour rester sur ce PC Shadow. Pour le moment, j'attends un petit peu qu'ils évoluent par rapport à ça, mais c'est vraiment intéressant. Merci à tous de me suivre, d'être autant à me suivre. Demain, je vais probablement vous mettre une vidéo, un vlog sur des techniques 360 qui pourraient intéresser des personnes qui veulent faire du contenu ou faire de la vidéo. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine les amis.